Mais aujourd'hui, c'est la mise à l'eau du 60 pieds Imoca Nures Matmut. Après 3 mois de chantier et de fiabilisation, on a sorti le bateau du hangar ce matin, on a sorti le mât également. Le bateau a été posé sur sa quille, il va être ensuite mis à l'eau, le moment symbolique du bateau qui retrouve son élément liquide avant d'attaquer les entraînements et toute la préparation de cette année en vue du Vendée Globe. Toutes ces inscriptions, ce sont des noms et prénoms, 28 000 exactement, 28 000 noms et prénoms des 28 000 collaborateurs de Newrest tout autour du monde. On a appelé cette opération un skipper en mer, 28 000 équipiers à terre, pour que tous les collaborateurs de Newrest embarquent symboliquement sur le bateau pendant le Vendée Globe et que pendant la course, pendant les moments difficiles, je ne sois jamais seul mais accompagné par toutes les forces de Newrest. Bah, mon histoire avec Newrest, comme toute histoire, bien évidemment, c'est une histoire de rencontre et une histoire de confiance. Plus fondamentalement que ça, on peut dire qu'il y a une vraie affinité entre l'entreprise Newrest et le projet Vendée Globe, le projet Imoca, puisque Newrest est une entreprise qui a grossi au fil des années et qui a su garder son âme d'entrepreneur avec des gens qui sont tous très sportifs. Et surtout, Newrest, ses fondateurs sont partis de rien il y a 10 ans et ont su s'imposer sur des marchés très concurrentiels. Le catering aérien hier, et à partir de cette année, le marché de la restauration collective en France. Et moi, finalement, j'ai un petit peu la même histoire que ces gens-là, puisque je suis arrivé sur le tard dans le milieu de la voile professionnelle. Au début, tout le monde se demandait un petit peu qui j'étais et ce que je venais faire là. Et voilà, force de travail et de ténacité, me voilà aujourd'hui aux portes de mon rêve, prendre le départ du Vendée Globe. Et la leçon de tout ça, c'est qu'impossible n'est rien et qu'il faut toujours croire en ses rêves et aller au bout de ses défis.